Pour que nos enfants aient confiance en eux, pour qu'on ait confiance en soi, c'est pas des compliments dont on a besoin. On n'a pas besoin d'entendre « Oh, qu'est-ce que t'es jolie, tu es tellement gentille ». Ça, ce sont des jugements de valeur. Et quand on les entend, on aura peut-être tendance à penser que notre valeur dépend du regard des autres. En tant que parent, si on veut valoriser nos enfants, si on veut qu'ils aient confiance en eux, bien mieux que des compliments, vous pouvez leur parler de ce que ça vous fait à vous d'être leur parent. « J'aime faire telle ou telle activité avec toi ». Je suis heureuse d'être ta maman. Je t'aime exactement telle que tu es. Et je t'aimerai toujours, quoi qu'il se passe. J'adore entendre ton rire et que tu me racontes des histoires. Merci pour avoir fait ceci ou cela. J'ai remarqué que, et là, vous notez quelque chose de positif que l'enfant a fait. Ou alors, bravo, tu as persévéré et tu as réussi telle chose. En fait, vous leur montrez leur valeur, vous leur parlez de leurs compétences et vous ne portez pas de jugement sur leurs traits physiques. Encore une fois, ce ne sont pas des compliments dont on a besoin, mais de se sentir à la bonne place, aimé, valorisé et compétent. C'est ça qui donne la confiance en soi. Et ce n'est pas de penser ou de croire que les autres nous trouvent beaux ou intelligents. C'est que soi, on se trouve compétent.